D'ailleurs, j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Je suis désolé pour les gens de YouTube. Hein. Je suis pas un mec du multitasking. Oh, ce Don Smash! Toupie Don Smash, alors là, rien à dire. Propre, impeccable. Donc, maillé avec un stock de déficit. Mais qui peut régler ça assez rapidement. On connaît ZSS, le perso des combos. Et attention, ah le nerf, nerf fer, ça c'est combo hein. La toupie qui a whiff, un petit F tilt. Ah là là, la toupie. Vanheim qui joue très bien, il joue très safe. Il sait qu'il a l'avantage, il a aucune raison de prendre des risques d'aller chercher les dégâts. Même là, il touche avec le nerf, il décide de back away tout de suite. Il veut pas s'y frotter. Il sait que ça peut très vite devenir dégueulasse avec ZSS. Et oh là là, Vanheim qui se prend. Ah, Vanheim. c'est ce que je lis, c'est ce qu'il y a à l'écran. Allez, le Don Smash en punition, le grab qui passe pas. Ah là là, le nerf vraiment maléfique, hein, quand on n'y est pas habitué, qui est vraiment très difficile à gérer. Allez, le paralyzer, le grab et malheureusement Maillet qui arrive pas à follow up, un peu trop lent. Ouh, le donner qui a failli passer et Vanheim qui s'offre un petit lead d'Astock plutôt clean et seulement 37% de dégâts. Et là je pense encore une fois qu'il va opter pour la stratégie du jeu safe. Il va éviter de prendre trop de risques. Voilà, oh là là, la toupie un peu qui bait le jab combo. C'est tu lances le premier jab, tu vois qu'il est en train de charger sa toupie, tu dis c'est bon je vais le toucher, et en fait non il a mis le shield à la frame. Okay, Don Fro, upper, c'est esquivé. Oh là là. Allez, le fer. La toupie compose. Et oh, Maillet qui a réussi à mettre la garde sur la toupie, c'est assez étrange. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que Lightbox est terminé au même moment. Attention. Et up throw, et oui, avec la plateforme de Smashville. J'en reprends une. Et donc, c'est un petit 1-0 pour Vanheim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a counter pick? Bah ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé avec la toupie, mais bon. Ça n'a pas changé grand chose à l'issue du match. Et là on enchaîne direct avec le deuxième match. Maillet va-t-il réussir à s'adapter au match-up? Oh, il m'a dit déjà 90%. Drop qui fait vraiment très mal, très vite. Hein. Donc vraiment dans la catégorie des persos sous-estimés. Hein. Très difficile. Ah ouais. Moi je valide bien. T'as qui ça? Donc, ah, Maillet qui tue avec la toupie. Ah là là, dommage, le nerf qui touche. C'était une très bonne interception, mais malheureusement, pas de possibilité de remonter. Trop de lag. Et là, c'est Maillet. Oh, dommage. Maillet qui choisit de descendre avec Abakar, alors qu'il fallait choisir le père pour partir en combo. Le up tilt. Le petit qui est vraiment fort, mais le gros inconvénient du coup, c'est qu'on peut pas combo derrière, il n'y a pas vraiment de bon follow-up. Le coup, il est trop laggy pour ça.
Regarde. Oh, la toupie de Rob. Qui a fait peur à Mayek. Mayek a pas eu le temps de punir. Et on charge la toupie à fond. Et oh là là, ça spam les toupies. C'est vraiment très bien. Il a trouvé la bonne distance pour jeter les toupies de façon safe. Allez, oh, le nerf. Attention. Vanheim qui zone. Voilà, les toupies encore une fois. Hein. Voilà, up throw, est-ce que ça tue? Non, pas encore. Le plafond est un peu trop haut pour ça. Et voilà, Maillet qui power shield la toupie et qui prend le deuxième. Qui prend le laser qui va par derrière. Un projectile pour en cacher un autre. Mais je commence. Et oh là là, encore une toupie. Toupie. Oh là là, le sniper. Hein. Et oh là là, c'était tellement beau cette toupie qui touche dans le grab. Et là du coup ça pue hein. Ça pue vraiment pour bailler. Et oh là là, nerf upper, le laser qui est bien esquivé. Attention à la toupie qui peut se transformer, qui peut versus d'un laser, on fait attention. Oh, bien joué, le back air. Et là, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est pas fini. ZSF, c'est vraiment un perso qui a un gros potentiel de comeback avec des combos vraiment dévastateurs, mais pas comme ça, pas en faisant des nerfs directement dans des power shields. Et voilà, nerf jab combo. Et ah là là, le nerf de Rob qui est très difficile à trade. Et ça finit sur un up smash. Très bien joué. Maillé souffrant de son inexpérience sur Smash 4. Et Vanheim jouant très bien. Très belle maîtrise.